Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment gagner à tous les coups avec un petit tour vieux comme le monde, le tour des trois cartes, celui qu'on appelle le bonneteau, ok? Le bonneteau très simplement c'est trois cartes, ok? Trois cartes, je vais les mettre à peu près comme ça pour qu'on puisse bien voir, et je vais mettre de côté, ok? Très facile, trois cartes, il y en a deux noires, il y en a une rouge, il faut trouver la rouge. C'est un jeu bête, vraiment le plus bête possible, facile. Attention, mais là je retourne, oui comme ça c'est trop facile, je retourne la main. Ah ah, elle est là, elle est là, elle est là. Bon, de toute façon, normalement, les gens prennent celle-là. C'est ça, celle du milieu. Ok. Carte rouge. Et non, c'est la noire, mon ami, c'est perdu. Mais pas de panique, je t'explique tout de suite comment ça fonctionne. Le secret est très facile, très simple. Ok, je démarre avec des tours assez facile, et plus tard sur la chaîne il y aura des tours un petit peu plus élaborés, un peu plus compliqués, donc n'hésite pas à t'abonner. Le secret c'est que j'ai trois cartes, ok? J'en ai une noire, tout à fait normale, une noire tout à fait normale, et une noire et rouge pas tout à fait normale, ok? À quoi ça ressemble de près? C'est une carte sur laquelle, alors j'ai découpé un morceau d'une carte rouge, que j'ai collé avec un bout de scotch, ok? Et ce qui fait que quand je cache comme ceci, là, on a l'impression d'avoir trois cartes, sauf qu'en fait, il y en a trois et demi, ok? Il y a un truc en plus. Donc, chose très très simple au final, ok? Vous allez pouvoir le fabriquer, vous avez l'explication qui arrive tout de suite. Alors, pour la fabrication de ce gimmick, ce qu'on appelle un gimmick, c'est un trucage, ok, en magie, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un peu de scotch et quelques cartes, ok? Super simple, super simple, et pourtant l'effet il est vraiment bien. Ça fait des années que je le fais, que ce soit des enfants ou des adultes, les gens se font avoir à chaque fois. Okay? Donc vraiment, ça vaut le coup de le fabriquer, vous mettez ça dans le portefeuille, et puis quand vous avez besoin, ça marche toujours. C'est un petit tour à faire rapide, c'est efficace. Donc pour ça, on ne prend pas un paquet en entier, on va prendre 4 cartes. Okay? Tant qu'à faire, je vais prendre des cartes qui ont plus ou moins un rapport entre elles. Par exemple, je vais prendre des 8. Et 8-8, j'ai quoi? J'ai un autre 8 là et un 7. Voilà. J'essaie de prendre à peu près les mêmes numéros dans la même fourchette de numéros. Okay, donc il y a 3 cartes noires et une rouge. Okay, comment ça va fonctionner? Bah, vous l'avez vu dans la démonstration. On va découper la carte, donc le 8. Je vais découper en diagonale. Okay, je montre comme ça qu'on puisse bien voir. Là, je prends du côté, je coupe là où il n'y a pas de numéro. Okay, en diagonale comme ça. Donc je me mets, alors je me mets droit pour pouvoir couper quand même correctement. Là. Et le coin qui est ici, je vais couper un petit bout parce que je n'en ai pas besoin d'autant. Et là en bas aussi, voilà. J'ai une espèce de petit morceau là. Le reste, on s'en sert pas. Ok. Un bout de scotch. Il ne faut pas que le morceau de scotch soit plus long que le morceau de la carte. Je positionne comme ceci. À la caméra, je sais pas si on va bien. Donc le côté collant est là. Je retourne le côté de façon à le plier sur lui-même, comme si je voulais faire un genre de double face. Et je vais le coller sur un 8. Là. C'est tout. Là. Ok. Quand j'ai la carte comme ça, j'essaie d'aller à l'essentiel, toujours. Que la vidéo dure 3 heures, mais en soi c'est pas bien compliqué. Okay? Donc ça ressemble à une espèce de petit flap, un petit livre. Okay? Quand j'ai le doigt dessus, alors si je mets une autre carte par-dessus, on a vraiment l'impression que j'ai trois cartes, alors qu'en réalité j'en ai que deux. Donc l'explication, maintenant que vous avez fabriqué le gimmick, okay, le petit trucage ici, vous avez fabriqué ça, et bien c'est très simple, il suffit de prendre, alors, moi c'est comme ça que je fais parce que je suis droitier, je prends dans la main gauche. Si vous êtes gaucher, peut-être que vous allez avoir envie de le prendre dans la main droite. C'est vous qui gérez, ok? Mais moi, je prends dans ma main gauche, ok? La carte trafiquée. Une carte, donc dans l'idéal, je vais cacher... Alors, je vais cacher le 8 volontairement. Comme cette carte-là, c'est un 8 noir, je vais cacher le 8 noir. Ce qui fait que quand la personne va prendre la mauvaise carte, va voir que c'est un 8 noir et va se dire « Ah, mais comment il a fait? Il a échangé les 8. » Si vous mettez un roi, le gars va se dire « Mais attends, mais il n'est pas droit. » Ok? Donc, essayez de mettre des cartes qui soient
presque pareil. Okay. Alors si vous avez deux jeux de cartes et que vous avez deux fois 8 de pique, voilà, c'est parfait. C'est le top du top. Okay. Donc on glisse la carte ici. Pas trop haut, pas trop bas, on essaie de faire quelque chose d'à peu près propre. Okay. Si ça dépasse, vous connaissez le principe du cache-cache. Quand tu vois le gosse avec les pieds qui dépassent du rideau, bon, c'est nul. Okay. Ben, c'est pareil. Là, on cache comme ça. La dernière, on la pose par-dessus, ça permet de cacher un petit peu ce truc bizarre. Là, pareil, pas trop, pas trop bas, pas trop à gauche, pas trop, voilà. Essayez de trouver comme ça. Et en bas à gauche, là, je mets mon pouce et il n'y a rien à voir. Ok ? Vous serrez un petit peu fort, ça évite que les cartes glissent en cours de route. C'est bon, on est prêt. Il n'y a plus qu'à dire aux gens, ok, je te montre un petit pari super simple. Ok ? Parce que le titre de la vidéo, c'est ça. C'est comment gagner à tous les coups. Ok ? Donc, vous avez ici le 8, tu dis à ton pote, tiens, regarde, tu dois trouver le 8 de carreau. Super facile. Ok ? J'ai deux noirs, une rouge. Tu trouves la rouge, tu as gagné. Par contre, si tu ne trouves pas, là, libre à vous de dire ce que vous voulez. Ok ? Vous pouvez vous faire payer des coups à boire, vous pouvez vous faire parier de l'argent si vous... Voilà. Faites ce que vous voulez. Si c'est, vous êtes un enfant, un ado, vous pariez avec votre famille, vous dites, bah, tiens, tu me fais un massage des pieds si tu ne trouves pas. Ok, libre à vous. Je ne veux pas le savoir. Mettez en commentaire si vous avez des idées originales que je puisse le faire, peut-être moi aussi. Que j'ai, voilà. Si vous avez des bonnes idées, mettez en commentaire. Donc, j'ai une rouge, deux noirs, très simple. Il faut trouver la carte rouge. Facile. Ok. On montre la main vers le bas, la personne touche une carte. Alors, il peut arriver que la personne ne touche pas la bonne. Nous, on veut qu'elle prenne celle du milieu. Ok. Celle qui est cachée derrière. D'accord. Donc, si la personne touche celle-là ou celle-là, il suffit de retourner et dire... C'est super facile, tu rigoles ou quoi? Elle est là, tu peux pas. Tu sais, un jeu, c'est tellement facile que même les enfants ils gagnent. Là, bon, forcément, les gens ils lâchent l'affaire, ils disent bon, bah le milieu alors. Ok, donne-moi ta main. Tu poses la carte dans la main de la personne. J'ai pas de personne. Tu dis, t'es sûr que c'est la bonne? Dans l'idéal, je vais ranger ces cartes-là avant de montrer celle-là. Parce que si la personne retourne la carte, voit que c'est pas la bonne, elle pourrait avoir envie de vous arracher les cartes des mains. Donc ce que je fais, c'est que je pose la carte. Je mets ça dans ma poche où vous voulez. Si vous n'avez pas de poche, j'espère que vous avez l'inspiration. Et là, vous pouvez faire une passe magique, claquer des doigts, allumer un briquet, ou alors vous sacrifiez un berger allemand, vous allumez des bougies, vous faites ce que vous voulez. Ok, c'est votre mise en scène. Moi, je claque des doigts. Et la carte, tu dis, c'était la rouge. Mais non, c'est la noire, tu t'es planté. Bon, on avait parié quoi? Tu me payes l'apéro? Allez, c'est parti. Ok? Amusez-vous avec ce tour. Faites-vous plaisir. Et puis, si vous vous filmez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'identifier, ok? Polo, magie, je suis sur Instagram, sur... je suis sur quoi? Moi, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, ok? Quand vous faites une petite vidéo sympa, vous filmez, vous piégez vos amis, identifiez-moi, ça me fera super plaisir de voir que ce que j'ai fait là, ça apporte quelque chose et que les gens en profitent, ok? Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit like, comme d'habitude, ou vous mettez un dislike, non, mettez pas ça, juste le like. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, vous abonnez, évidemment, vous cliquez sur le bouton tout de suite. La petite clochette des notifications, toujours pour être averti dans les premiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et à très vite pour un nouveau tour. À bientôt.